C'est quoi, comment elle fonctionne, les modalités pour peut-être une nouvelle équipe pour s'inscrire au niveau de cette ligue, comment ça se passe pour les relégations, pour les nouvelles équipes, comme j'ai dit. Et c'est pour ça que j'ai invité mon ami Mathieu Lemay. Donc, Mathieu Lemay, c'est quelqu'un qui est un connaisseur de la ligue aussi, quelqu'un qui écrit sur le site football365.fr. C'est quelqu'un, c'est un consultant aussi pour plusieurs radios. Je le laisse parler en lui-même. Il va se présenter lui-même pendant cette émission. Mathieu, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Karine pour l'invitation. Ça me fait un Donc, il honneur d'être ici avec vous. n'y a pas de problème. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va parler de la Ligue MLS. Donc, la Ligue MLS, c'est quoi comme ligue? On sait que la Ligue MLS, c'est comme les ligues françaises ou anglaises ou n'importe quelle ligue, mais c'est juste MLS, Major League Soccer. Donc, c'est la Ligue MLS, c'est le championnat américain de football, comme tous les championnats. Mais il y a peut-être des consultants, il y a des gens, des personnes qui ne savent pas encore c'est quoi la Ligue MLS. Surtout après que Saphir Taider, l'international algérien, s'est engagé avec l'Impact de Montréal. Il y a beaucoup de gens qui disent que Saphir Taider s'est engagé avec Montréal qui joue au niveau du championnat canadien, alors que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de championnat canadien. Au Canada, c'est différent. Donc, a signé avec Montréal, on va corriger. Taylor a signé avec l'Impact de Montréal, s'est engagé avec l'Impact de Montréal. L'Impact qui joue au niveau de la Ligue MLS, c'est quoi la Ligue MLS, Mathieu? Bien, en fait, la MLS s'inscrit d'abord, il faut spécifier deux choses. La MLS a été créée d'abord pour satisfaire la demande de la FIFA lorsque les États-Unis ont obtenu la candidature pour la Coupe du Monde en 1994. Il n'y avait pas de ligue professionnelle ou étiquetée comme telle selon les standards de la FIFA à ce moment-là. Et c'était dans l'obligation, c'était dans les règles que les États-Unis créent une ligue professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas déjà avant. On se souviendra qu'il y avait une ligue qui s'appelle la NASL, qui existe toujours, mais à une certaine époque, dans les années 70-80, c'était la ligue nord-américaine qui fonctionnait. Elle a déjà eu des joueurs comme Pelé, Beckenbauer, Johan Cruyff, entre autres, qui sont venus jouer pour des clubs en Le Amérique du Nord. Cosmos, avec le Il y avait le Cosmos. Cosmos de New York, Ouais. effectivement. Montréal a déjà eu une équipe à l'époque, c'était entre autres le Manic de Montréal. Il y a eu un documentaire au réseau des sports sur l'histoire du Manic. On avait déjà eu entre autres Gordon Hill, le célèbre joueur anglais de Manchester United, qui est passé par le Manic notamment. C'était à l'époque la ligue professionnelle, mais elle était un peu désordonnée et le Cosmos de New York achetait à peu près tout ce qui était possible. Il y avait beaucoup d'inégalités et les franchises étaient comme pas traitées à l'époque économiquement là, de façon contrôlée, si on peut dire. Et cette façon de fonctionner a fait que la NASL a tombé de niveau et actuellement elle est devenue plus une ligue de, on va dire, de deuxième, troisième division. Donc, ce n'était pas une ligue professionnelle, ça n'était pas considéré comme tel. Lorsque ça a pris fin, donc dans les années 80, il fallait une ligue qui soit étiquetée comme telle. Et c'est dans c'est à l'intérieur de ce contexte-là que la MLS s'est créée. Et pour éviter de répéter un peu les erreurs de la NASL, c'est là qu'est arrivée toute une panoplie de règles dont on va parler. Officiellement, elle a été créée en 93, mais elle n'a commencé sur le terrain qu'en 1996. On a célébré d'ailleurs les 20 ans en 2016. Ça fait donc 22 ans que la MLS existe. Et c'est donc ça s'inscrit dans ce double contexte, c'est-à-dire la Coupe du Monde aux États-Unis en 1994 et la fin de la NASL comme ligue professionnelle telle qu'on l'a connue il y a de seule une quarantaine d'années. Et la Ligue MLS, ça se joue entre le mois de mars et le mois d'octobre. Après, à partir du mois d'octobre, il y a les séries qui commencent. On va en parler tout à l'heure sur les séries. Donc, c'est à partir du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. C'est vrai. Ça se terminait plus tôt avant parce qu'il y avait moins d'équipes. Faut savoir que la MLS avait seulement 10 équipes au moment de ses débuts. Et c'est seulement là, à peu près, là, ils ont monté à 12, c'est revenu à 10. Mais à peu près, après dizaines d'années, vers à peu près 2005-2006, que là, il y a une expansion plus sérieuse et que la MLS, là, depuis ce temps-là, ne cesse de connaître une progression là, au niveau des clubs, des franchises. Et là, on vise éventuellement passer à 28-30, probablement. On va déjà être cette saison avec un chiffre impair. On va être à 23 clubs pour la présente saison. On sait qu'il va y avoir une 24e qui va arriver d'ici 2 ans à peu près, qui est le club de Miami, l'équipe de David Beckham. Ouais. Mais ce facteur-là, donc, pris en considération, le nombre d'équipes a fait que le calendrier s'est un peu rallongé. Il y a eu aussi, à un moment donné, vers la fin des années 2000, l'intégration des clubs MLS dans la Ligue des champions CONCACAF. Et ça a demandé des ajustements au calendrier pour que les clubs MLS disputent la compétition. Il y avait déjà eu, pendant un certain temps, ce qu'on appelle une Super Liga qui n'a duré que 2 ans, je pense.
C'était à l'époque où Beckham jouait avec les Galaxy, d'ailleurs. C'était donc, il y avait quatre équipes, je pense, une équipe MLS, trois équipes mexicaines, si je me souviens bien. Puis c'était un équivalent de Ligue des Champions, mais très petit. Justement, en parlant du nombre, on sait que la Ligue MLS a commencé avec 10, donc 5 dans chaque groupe, et on sait qu'il y a deux associations, l'association Est et l'association Ouest, donc dans chaque association, ça a commencé par 5. Maintenant, en 2018, on a 12 dans un groupe et 11 dans un groupe, donc le groupe de l'Impact, c'est le groupe Est, il y a 11 équipes, et le groupe Ouest, c'est celui de plus vers l'Ouest, donc il y a 12 équipes. Pourquoi on a mis deux groupes? Pourquoi on n'a pas mis un seul groupe avec peut-être 20 équipes ou 22? C'est très simple. C'est que le territoire américain couvre beaucoup plus large que les pays européens. Alors, il y a la question du décalage horaire. En créant deux associations, on s'assure que les équipes de la même association jouent plus souvent avec des équipes qui sont un peu dans la même zone, le même fuseau horaire, et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'on n'affronte pas l'Ouest, ouais, mais on va jouer moins souvent. Et d'ailleurs, la finale de la Coupe MLS implique le meilleur après les playoffs de l'association Ouest avec l'association Ouest. C'est de cette façon aussi que dans les ligues nord-américaines, on fonctionne, mais c'est vraiment en fonction du fuseau horaire parce que, comme on le sait, il y a 3 heures de décalage entre New York et Los Angeles. C'est juste pour vous dire, vous n'avez pas ça en Europe lorsque vous voyagez, que ce soit en Angleterre ou dans des ligues comme ça. Même Montréal et Vancouver, il y a 3 heures de décalage. Alors, ça vous donne une idée. Il faut tenir compte de ça parce que c'est clair que le fuseau horaire, le décalage horaire a un impact sur le physique des joueurs. Et dans tout sport confondu, c'est pour ça, tout simplement, qu'on a adopté cette vision d'association-là. D'ailleurs, avec l'expansion qui se poursuit, moi, je ne serais pas étonné qu'un jour, on en arrive à ce qu'on ait suffisamment de clubs dans chaque association pour que le calendrier, on ne joue qu'avec les équipes de notre association et ensuite qu'il y ait une finale entre le meilleur et l'autre à la fin de la saison, on qui va arriver. Diminuer encore les fuseaux horaires et qui va rendre encore plus attrayante la finale, puisqu'on n'a jamais joué. Exactement. On va y arriver tout à l'heure pour l'expansion, parce qu'on parle d'expansion. Peut-être les gens, ils se posent des questions. C'est quoi l'expansion? Donc, on va parler avant du système de compétition. On sait que, donc, il y a 11, l'association Ouest, 12, l'association Ouest. Donc, le système de compétition, c'est 34 matchs dans une saison. Donc, les 34 matchs, c'est tu peux jouer comme 2 ou 3 matchs avec la même équipe dans ton association, avec peut-être 2 ou 3 matchs aussi avec les équipes qui se trouvent dans l'autre association Ouest. C'est plus un match dans l'Ouest. Un match par équipe. Mais tu peux jouer avec d'autres équipes aussi. Oui, mais dans le calendrier MLS, tu joues un match, mais il y a un principe de rotation qui fait qu'une saison, tu vas jouer à l'étranger, l'autre saison, c'est toi qui les reçois chez toi. Par exemple, Montréal a joué contre Portland à Montréal la saison dernière. Ça veut dire que cette saison, c'est clair que Montréal va aller à Portland. Mm-hmm. Avec la nouvelle équipe d'expansion de l'LFC, on va déterminer un calendrier qui va faire qu'il y aura une rotation pour chaque équipe l'année prochaine. C'est ainsi que ça fonctionne. Puis pour arriver à 34, ben là, c'est là que c'est un peu plus capricieux. Dans l'Est, on va jouer parfois 2 matchs, parfois 3 matchs contre certaines équipes. Mais là aussi, je pense qu'il y a un principe de rotation. Et avec les autres équipes qui s'ajoutent, ben, on ajuste le calendrier en fonction. Moi, je ne serais pas étonné qu'à un moment donné, on passe de 34 à 36 matchs, par exemple, ou qu'on reste à 34, mais qu'on revoit un peu la formule, comme je disais, peut-être passer. À un moment donné, on ne joue que dans l'Est. Et parce que vous savez que, bon, même si Miami a été accepté, il y a d'autres villes qui ont posé leur candidature, qui sont en attente d'avoir une réponse de la MLS. On pense à Sacramento, et on pense à Détroit, et on pense à Cincinnati. Oui. Et qui ont des chances, qui ont leur force et leur faiblesse dans leur candidature pour faire partie de la MLS. Et on sait que Nashville a été également accepté. Donc, il va y avoir aussi une autre équipe qui va jouer un peu dans l'Ouest, qui va rentrer. Ça veut dire que probablement que Sacramento a moins de chance maintenant par rapport à Détroit ou Cleveland, parce que ça prend une équipe dans l'Est avec Miami pour rééquilibrer encore les forces en présence. Justement, tu as parlé d'autres équipes qui vont peut-être intégrer la Ligue MLS, mais on parle d'expansion. Ça veut dire quoi l'expansion? Donc, on sait qu'au niveau de la Ligue MLS, il n'y a pas de relégation. C'est toujours les mêmes équipes qui existent. Donc, mais une nouvelle équipe peut payer. Il y a une franchise à payer. Mm-hmm. On va parler de la franchise aussi. C'est quoi une franchise? Et une nouvelle équipe peut payer la franchise et rentrer direct. C'est pas comme en Europe où une équipe commence par le plus bas niveau et commence à monter les échelons au niveau des divisions jusqu'à arriver à la première division. Alors qu'ici, non, une équipe peut direct rentrer jouer dans la Ligue MLS en payant la franchise. Donc, peux-tu juste expliquer c'est quoi la franchise et c'est quoi l'expansion?
Ben, c'est qu'avant d'expliquer la franchise, il faut revenir un peu à un peu d'histoire. C'est qu'en Amérique du Nord, souvent, les ligues sont très, très interdépendantes les unes des autres. Et pour ce qui est du soccer, le fait qu'il y ait peut-être manqué de continuité dans ces ligues-là a fait que lorsque la MLS a été créée, ben, elle était forcément, elle allait être une ligue fermée comme beaucoup de ligues nord-américaines et d'autres sports nord-américains. Elle s'est fermée parce que il faut des accords avec les autres ligues si on veut une règle de promotion et relégation. Alors qu'en Europe, les ligues sont chapeautées, si on veut, soit par la fédération locale et soit par si on veut une entité qui avec un commanditaire et tout ça, comme et qui permet à ce moment-là qu'il y ait une entente ou qu'il y ait, évidemment, il y a le poids de l'histoire qui permet que cette formule-là ait toujours existé. Avant qu'on en arrive à une formule de prolongation, relégation en Amérique du Nord, il faudrait qu'il y ait des accords avec les fédérations canadiennes et américaines, et il faudrait qu'il y ait des accords avec des équipes de seconde division, comme la USL et comme la NSL. Et c'est là qu'on en arrive avec le principe de franchise. Parce que à partir du moment que tu payes et que tu investis pour avoir une équipe professionnelle, tu investis aussi en créant des infrastructures de ce niveau-là, de ce calibre-là. Et là, c'est dans la mentalité peut-être nord-américaine, on est peut-être plus hésitant à cette idée de promotion-relégation parce qu'on se dit, moi j'ai investi pour rentrer et là je risque de perdre l'argent dans la formule. De descendre, ouais. Donc il faut laisser le temps à ces franchises-là, dans le fonctionnement économique, de bien s'établir et qu'il y ait des ententes avant qu'on en arrive, peut-être dans le futur, à ce qu'il y ait cette règle de promotion-relégation. Parce que ces franchises-là, ces équipes MLS, elles partent un peu de rien ou elles partent d'infrastructures existantes, mais qu'il faut mettre au goût du jour pour être de calibre, on va dire, professionnel, de première division, puisque la MLS aspire quand même à jouer un football qui se tient, qui soit dans la continuité, qui soit attractif. Donc, c'est pour ça que, oui, il y a l'aspect franchise, mais de plus en plus, maintenant, l'équipe de la MLS ont un côté hybride, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des académies, comme en Europe, elles vont commencer à développer des modèles d'infrastructures qui ressemblent à ce qui se fait en Europe pour favoriser le recrutement et favoriser le développement des joueurs. Mais ça demande de l'argent parce que là, on part de quelque chose qui, en Europe, existe depuis très longtemps, depuis une centaine d'années, mais ici, même s'il y avait déjà eu du foot avant, comme il n'y a pas eu de lien de continuité, ça n'existait pas forcément. Alors, c'est pour ça que lorsqu'un un modèle d'affaires s'impose à la MLS pour dire ben, on va avoir une franchise en MLS, il faut payer tel montant, oui, pour rentrer. Il faut avoir la garantie d'avoir des infrastructures minimales, c'est-à-dire un stade au moins à peu près 20 000 places. Il faut commencer aussi à développer d'autres bases qui prouvent que tu vas être une franchise justement, solide. Justement, c'est ma question. Simplement. Moi, j'arrive, puis je dis, je veux avoir, c'est moi le boss, je veux avoir une équipe en MLS. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les modalités? Par quoi je vais commencer pour avoir mon équipe en MLS, en Ligue MLS? Je sais que je dois payer une franchise qu'on appelle, c'est de l'argent qu'on doit payer à la Ligue MLS. Pourquoi je paye ça et qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette équipe? Ça peut être très, très compliqué parce que le modèle américain est un modèle d'affaires très, très, très différent. Mais il faut déjà des facteurs et je dirais des relations pour arriver à, si on veut, faire valoir sa candidature. C'est un peu le même principe que si tu as ta candidature pour les Olympiques ou pour autre chose, à quelque chose pour près. La Coupe du Monde. Il faut que tu arrives à vendre ton produit. Il faut que tu donnes des assurances que ta franchise va s'inscrire un peu dans un aspect durable. Donc, il faut que tu sois prêt à mettre beaucoup d'argent sur la table. Il faut que tu acceptes donc de dépenser tant d'argent pour t'intégrer là-dedans. Mais c'est évident que celui qui accepte de dépenser ça, lui, il voit probablement dans ce projet-là, un phénomène attractif qui serait autre que les autres sports nord-américains. C'est un champ d'action de business, donc on voit ça à très long terme. Mais il faut des garanties. Il faut les garanties que tu aies. Par exemple, si tu n'as pas de stade, il faut que tu aies un terrain valable pour dire « je vais construire un stade-là ». Il faut que tu prévoies des infrastructures. Il faut qu'il y ait l'aspect local. Est-ce que les gens sont attirés? Il y a des études de marché. Il faut que tu mettes tout ça sur la table. Et il faut que tu aies évidemment un montant minimal à mettre à la Ligue qui va être partagé ensuite pour dire, ben, parce que maintenant, le prix d'une franchise, ça augmente de plus en plus. L'impact est rentré, je pense, pour à peu près 40 millions. C'est une aubaine en 2012. Aujourd'hui, il faut que tu payes 550. À l'exception de Miami, parce que Beckham, lui, vous voyez comment les modalités peuvent changer. Beckham avait déjà, en tant que joueur, avait déjà une promesse avec la MLS. Alors lui, probablement, il paye moins, mais ça a été retardé. Bon, il y a eu la question du modèle d'affaires, la question aussi des partenaires Le stade qui n'a pas, c'est ça. Parce que le terrain qu'ils avaient acheté avait deux propriétaires. Il y avait une portion qui appartenait à un propriétaire et une autre portion à une autre. Alors, il fallait négocier avec les deux pour avoir
pour avoir le terrain. Et ça, ça prend des ententes aussi, comme partenariat avec les municipalités. Quel investissement va être mis? Est-ce qu'il va y avoir de l'argent public? Et tous ces détails-là. Mais pour rendre une franchise attractive, en fait, oui, il y a des modalités de base, mais à la longue, c'est de vendre ton produit pour dire, moi, j'ai ça à mon avantage. Le marché est attrayant. On va entrer. C'est ce qui fait qu'Atlanta est rentré, c'est qu'il y avait une garantie. Un propriétaire avec des poches profondes qui a dit, nous, on va garantir que notre produit va être attractif. On a un plan pour avoir un stade qui va coïncider avec mon autre propriété, qui est les Falcons d'Atlanta dans la NFL. C'est un stade qui va avoir 70 000 personnes. On a un public qui est derrière. Ouais, et on a donc une garantie d'avoir déjà des abonnements de billets de saison avant même que la saison commence. Alors, pour la MLS, ben, ils se disent, ben, c'est un nouveau public. Alors, forcément, c'est attractif. Ils vont se dire, ils ne peuvent pas dire non. Mais le montant qu'on paye, moi, je suis le boss, puis je paye. Il m'exige, vous avez dit, 150 millions. Non, 150 millions. Ça va aller en augmentant. C'est rendu maintenant 150 millions. Donc, je paye 150 millions. Où est-ce qu'ils s'en vont, ces 150 millions? Est-ce que c'est pour la Ligue? Pourquoi j'ai payé 150 millions? C'est pour la Ligue et c'est partagé entre les clubs. Parce qu'il y a un partage de revenus dans la MLS, on le sait, il y a une structure comme ça. C'est que le but de la Ligue, c'est de se développer de façon globale. On ne veut pas que les franchises ou les clubs de la MLS ne fonctionne en la même façon qu'en Europe, c'est-à-dire elle dépense du fric au mépris des autres, et puis un peu comme le baseball majeur par exemple, on se paye grassement, on se monte un club juste avec l'argent, il n'y a pas de contrôle, parce que comme je l'ai dit avec l'exemple de la NASL, quand on a laissé le contrôle comme ça, ben, le Cosmos de New York avait tout, et là à un moment donné, ben, les autres équipes disent ben, on ne gagnera pas, il n'y a pas de garantie, les gens s'intéressent moins aux produits, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Aux États-Unis, c'est un peu vu comme ça, on n'aime pas que ce soit toujours les mêmes. Mm-hmm. On veut qu'il y ait un principe de parité qui existe entre les formations. Donc, le montant que tu verses qui est partagé s'inscrit dans ce phénomène-là. Ça veut dire que tu payes 150 millions, mais tu vas recevoir de l'argent pour peut-être d'autres équipes d'expansion après. Et si les profits de la Ligue augmentent, ben, tout le monde en bénéficie. Et tu peux le réinvestir, si tu le fais adéquatement, dans tes propres infrastructures, ouais. Ce qui t'évite à travers tes longues dépenses d'éviter de te mettre la corde au cou tout de suite, même si la plupart des hommes d'affaires qui investissent dans les MLS ont d'autres affaires flamboyantes ailleurs, là on s'entend, mais il y a un principe, c'est un mélange de principes libéraux d'économie avec un principe donc de protection, c'est pour éviter que l'argent ne devienne que le seul critère qui détermine si ta franchise va être juste gagnante ou non. Oui, ça te garantit une entrée, mais ça ne te garantit pas si on veut, une entrée au détriment des autres équipes où tu... Moi, je rentre comme un rhinocéros ou un bulldozer dans la place. Exactement. Donc, maintenant, on sait qu'il y a deux groupes. Donc, est-ce qu'il y a un champion? On sait que les six premiers sont qualifiés pour les séries. J'ai dit que la saison, c'est du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Avant, c'était moins parce qu'il y avait moins d'équipes. Maintenant, il y a 11 et 12 équipes dans chaque association. Maintenant, la saison, c'est de mars à octobre. Et à partir du mois d'octobre, c'est les séries. Comment les équipes aboutissent aux séries? Comment on peut jouer les séries? Je sais que c'est à partir de la sixième place, les équipes sont qualifiées. Mais quand on se classe sixième, cinquième, quatrième, troisième, avant, il y a une demi-finale entre les deux, et les deux premiers vont attendre que les matchs exactement, soient joués. C'est-à-dire que les deux premiers de chaque association ont déjà un laissez-passer, un billet pour le tour suivant. Les autres, par contre, jouent un match, c'est vraiment là, ce qu'on pourrait appeler là, un match ultime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de match aller-retour. Ouais. Ça se joue en un match, l'équipe qui est la mieux positionnée reçoit, ouais. Et c'est le résultat qui dicte tout. C'est un peu le même principe comme dans les tournois des coupes, donc c'est le mais il n'y a pas de match nul. C'est le quatrième qui reçoit le sixième, le troisième reçoit le sixième, le quatrième reçoit le cinquième. Dans chaque association, et ouais. Là c'est ça, là, c'est un match couperet. Et le résultat fait que le gagnant s'en va au tour suivant, qui joue dans quelques jours, face à une des deux équipes selon l'ordre, qui ont eu droit à leur laisser-passer. Mais donc, les deux premiers reçoivent toujours chez elles. Mais on a mais les ils retours. Reçoivent au match retour, exactement. Là, après ça, on rentre dans le principe des matchs aller-retour au tour suivant. Jusqu'à la finale, par contre, se joue en un match. Et c'est... avant, on sélectionnait un lieu qui était un peu un terrain neutre. Un terrain neutre, comme en finale de Ligue des champions. Donc, c'est le même principe à partir de là, les matchs aller-retour, sauf la finale qui se joue en un match. Mais depuis deux ans, on donne l'avantage du terrain à l'équipe qui a la meilleure fiche dans la saison. Pourquoi on a changé?
Pourquoi on a changé? Parce qu'on s'est aperçu que c'était compliqué de trouver des lieux, parce que c'est un investissement aussi pour la ville. D'avoir pour le déplacement pour aussi. Pour le déplacement et les fans et tout, pour attirer, si on veut, des villes candidates pour accueillir la finale à travers le circuit nord-américain. Puis il faut tenir compte également du facteur température. Alors on s'est dit, pourquoi que c'est pas justement l'équipe qui termine avec la meilleure fiche qui va recevoir. C'est donc arrivé à deux reprises que Toronto a reçu la finale, mais contre Seattle, elle a perdu la première, parce que comme quoi, ça prouve que l'avantage du terrain n'est pas un facteur, ouais. Mais Toronto a ensuite gagné la suivante, mais ça a été quand même deux finales très serrées, il faut le dire. Mais comme si tu pénalises l'autre équipe, parce que c'est sûr que les fans peut-être ne vont pas se déplacer en nombre. Oui, mais encore là, c'est drôle. À Seattle, les fans sont très fidèles. Ils ont parmi d'ailleurs un des plus gros bassins de fans au monde. Alors, pour eux, le décalage n'est pas un problème. Même si Toronto ont des fans très, très forts, ils ont dû s'arranger pour ne pas laisser trop de place. Mais le fait que Seattle ait gagné sous cette première formule à l'étranger, ça dénote que les joueurs sont quand même capables de, si on veut, de tenir le... d'être capable de jouer dans des conditions comme ça, où, parce que Toronto, la température était quand même froide en décembre, et le gazon n'était pas à son meilleur. Les joueurs ont démontré qu'ils pouvaient jouer dans des conditions comme ça. Alors moi, quand j'ai entendu en Europe, parce que j'ai entendu des histoires où on voulait chauffer les stades un peu plus, changer un peu les conditions, on parlait même de stades fermés, ben non, même en MLS, on ne ferme pas encore les stades. Puis les températures peuvent varier d'une ville à l'autre, et on joue dans un calendrier où, oui, on favorise l'été de façon générale, mais... quand on arrive en finale, les conditions sont plus fraîches. Même chose quand pour les équipes en Ligue des champions, quand on commence en février, Toronto joue contre Colorado, notamment la Ligue des champions contre CACAF. En Colorado, vous imaginez la température deux en février? 2-0, 2-0. Ça, c'est, oui, mais ça, tout le monde n'a parlé que de la température et des conditions sur le terrain. Ils ont oublié le résultat. Oui, mais quand on joue à Colorado, c'est comme... Je fais une comparaison, mais ça serait comme de jouer, par exemple, à Mexico City ou si vous jouez en Colombie, dans des régions montagneuses. Vous jouez en haute altitude. Et sinon, pour une équipe MLS, on se retrouve avec des conditions exactement. Qui sont exactement à peu près les mêmes que la comparaison que je viens de faire. Et donc, Toronto devait quand même subir ça aussi, et en particulier en début de saison où on est plus en période de camp d'entraînement. Là, on a expliqué un peu... chaque association, comment ça se passe? Les 6 premiers sont qualifiés, donc ça joue entre les 6, 5, 4, 3. Ils vont jouer entre eux, les deux gagnants vont affronter les deux premiers. Donc après, le gagnant de l'association, donc le champion de l'association, va jouer contre l'autre champion de l'association ouest, donc l'est contre l'ouest, le champion contre le champion. Mais est-ce pas le champion au calendrier régulier. Non, non, après les séries, bien sûr, après les matchs des 6 premiers. Va jouer contre l'autre champion, mais le champion déjà de la MLS, de son groupe, est-ce qu'il est considéré comme un champion? Oui, il reçoit un trophée qu'on appelle le Supporters Shield et il a une garantie de faire partie de la Ligue des champions l'année prochaine. De la CONCACAF. De la CONCACAF. Donc, il a la meilleure fiche en MLS et donc il y a une récompense à travers ça. Comme il y a une récompense pour la Coupe du Canada, quand les Canadiens s'affrontent et la Coupe des États-Unis. Et si c'est les mêmes équipes, ben là, c'est parfois le meilleur deuxième, parfois c'est le finaliste de telle compétition. Dépendamment là, mais au moins, il y a cinq en tout qui participent à la Ligue. Il va y avoir quatre clubs américains et un club canadien. Mais là, c'est Toronto qui a tout gagné. Exactement. Alors là, forcément, le champion de la Coupe des États-Unis, oui, il passe, mais là, il va y avoir effectivement probablement un meilleur deuxième qui passe. La raison pourquoi, par contre, au niveau du calendrier, c'est qu'on tenait compte, pas du calendrier précédent, mais de l'autre avant. L'autre avant. Et où Colorado avait une meilleure fiche à ce moment-là, c'est pour ça que Colorado est en Ligue des champions. Oui. Vous voyez? Alors, mais, donc, il y a plein de calculs comme ça. Un peu comme en Europe, les classements, on tombe à 5, 6, 7, et là, on a changé la règle, on dit que le champion de l'Europa League a le droit à passer en Ligue des champions. Donc, vous voyez, les règles se modifient avec le temps à travers notre Ligue des champions. Puis la Ligue des champions a aussi changé ses règles. Il n'y a même plus de phase de groupe, je crois. On passe tout de suite. En match aller-retour direct dans les matchs coup près tout de suite, ce qui permet à ce moment-là à des clubs, même des clubs mexicains, d'être forcés un peu d'y aller avec leur équipe A dans certaines circonstances plutôt que de prendre la phase de groupe à 3 clubs puis de se mettre une équipe B aussi puis de passer quand même. Et là, on va passer un peu on a parlé un peu des groupes, on a parlé un peu de comment ça se passe, la compétition et tout, le système de compétition. On va parler maintenant, j'ai parlé des comment on peut s'engager avec une nouvelle équipe. Maintenant, on arrive au plus important un peu, c'est le mercato qu'on appelle ici Super Draft ou les joueurs désignés. Il y a beaucoup de joueurs, donc il y a beaucoup de modalités qui rentrent là-dessus. Donc, on va commencer par avant de commencer la saison. Donc, je vais aller chercher deux joueurs.
quelles sont les limites, quelles sont les modalités pour recruter des joueurs. Donc il y a le super draft, il y a les joueurs désignés, il y a d'autres modalités aussi. On va expliquer aux gens c'est quoi. On n'expliquera pas toutes les modalités, mais on va essayer d'en expliquer quelques-unes pour comprendre un peu le fonctionnement. J'avais parlé tantôt dans une autre question comment la MLS est rendue un système hybride. C'est que le mercato est un peu la même chose. C'est une période où on a le modèle européen de recrutement, c'est-à-dire on verse un montant de transfert pour faire venir un joueur. Et il y a la modalité nord-américaine, c'est-à-dire on échange le joueur à une autre équipe sans que le joueur ait son mot à dire. Et l'agent non plus d'ailleurs. Il y a ça. Il y a un type de repêchage comme il se fait comme dans les ligues professionnelles. Vous avez parlé du super draft. Mais on commence à développer des académies de jeunes joueurs où là, ces jeunes joueurs, alors qu'ils ont 14-16 ans, appartiennent d'une certaine manière à leurs équipes. À leurs équipes respectives. Et ils deviennent libres si, par exemple, le club fait une offre et le joueur ne perce pas l'alignement professionnel. Il peut devenir libre et tout ça. Il peut aboutir ailleurs. Il y en a certains jeunes qui sont vendus en Europe. On peut donner citer l'exemple de Balou Tabla, qui a joué un peu à Montréal, mais qu'on a vendu. Il y a eu Matt Miazga, que les Red Bulls ont vendu à Chelsea. On commence d'ailleurs à avoir de plus en plus de joueurs qui sont vendus en Europe, même si c'est pour des montants qui peuvent sembler dérisoires. Pour la MLS, c'est des montants quand même qui rentrent en ligne de compte. C'est d'ailleurs une autre raison pourquoi il n'y a pas de promotion et relégation, c'est que la MLS n'a pas les mêmes moyens financiers non plus que les autres équipes, et elle le sait très bien par rapport à l'Europe. Et je ne crois pas que la MLS cherche à compétitionner avec l'Europe maintenant au point où on en est. Elle a son style propre et elle veut surtout fonctionner à l'intérieur de paramètres bien précis de façon à ce que les clubs soient toujours sains financièrement. Même si sur leur déclaration, on va penser qu'ils ont qu'ils s'endettent, alors qu'en réalité, ils ont des profits, mais l'argent circule autrement. Parce que le modèle américain est fait comme ça. On veut un équilibre. Alors, c'est pour ça qu'un modèle hybride qui peut sembler complexe après ma barre. Alors, le mercato est souvent en deux temps, c'est-à-dire que oui, il y a le mercato hivernal, on recrute, mais les franchises des équipes sont limitées à 8 joueurs internationaux. Mais quand on dit international, c'est-à-dire qu'il n'a pas la nationalité américaine ou canadienne dans certains cas. Ouais. Donc, les binationaux peuvent rentrer dans cette catégorie-là s'ils ont des règles par rapport à leur pays. Donc, une carte verte aux États-Unis, la citoyenneté au Canada, même s'ils peuvent jouer pour une autre formation internationale. L'essentiel qu'ils ont la nationalité américaine ou canadienne. Balou Tabla pourrait jouer pour la Côte d'Ivoire, par exemple, mais il a la nationalité canadienne. Donc, il ne serait pas considéré comme un international dans la MLS s'il revient. Mm-hmm. Vous voyez, et en plus, il a été développé à travers l'académie locale. Et quand tu développes à travers une académie locale, tu peux être considéré comme un joueur qui n'est pas un international puisque tu es passé par le processus. Donc, tu peux pas l'inclure dans les 8 que tu as le droit. Exactement. Celui qui est inclus dans un 8, c'est quelqu'un qui n'a jamais joué à MLS et que tu vas chercher à l'étranger et qui n'a pas la citoyenneté. Et là, tu as 8 places dans tes clubs et tu peux en avoir jusqu'à 10 si tu fais... Parce que toute ce monnaie en MLS, si tu fais une entente avec une autre équipe en disant « Est-ce que tu veux sacrifier une place internationale que moi, je serais prêt à prendre? » L'Impact est allé en chercher une 9e il n'y a pas si longtemps. Mm. Donc, c'est qu'il prévoit avoir un nouvel international probablement parce qu'il négocie sans doute avec des joueurs qui savent, qui ne sont pas considérés comme des gens qui ont la nationalité ou la binationalité avec ta mention américaine ou canadienne. Oui. Mais sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Justement, pour les joueurs étrangers, donc, on a parlé un peu de joueurs, donc tu as le droit de 8 joueurs, donc 8 joueurs étrangers dans ton équipe, à part, bien sûr, si c'est des joueurs canadiens ou américains, donc ils ne sont pas considérés comme les 8 joueurs internationaux. Mais il y a aussi le super draft. On sait que avant que la saison démarre, toutes les équipes peut-être ont besoin d'autres joueurs. Il y a le super draft qui se fait avant la saison. Donc, on aimerait savoir c'est quoi le super draft, c'est quel joueur qu'on va chercher et quelle équipe qui a le droit au premier choix, deuxième choix, troisième choix. Bien, c'est que dans l'optique du fait que la MLS veut aussi développer le soccer aux États-Unis, en Amérique du Nord, il y a des joueurs qui évoluent dans les circuits universitaires parce qu'aux États-Unis, le sport à l'université, c'est quelque chose d'assez vital. Ouais. On sait que le football américain, le basketball font énormément de recrutement à ce titre dans les universités, et même le hockey sur glace fonctionne comme ça. Et pour le foot, le soccer, c'est exactement la même chose. Et il y a des joueurs donc qui n'appartiennent à aucune académie, donc qui n'appartiennent pas à aucun club ou qui n'évoluent pas là, au sein d'une académie, mais qui, selon la MLS, sont de futurs espoirs. Et alors, ils peuvent être considérés comme éligibles au repêchage. On va même parfois
à travers les jeunes qu'on étiquette la génération Adidas. On va même leur offrir une bourse pour compléter leurs études si, peu importe la suite de leur carrière. Andrew Wenger, par exemple, était un l'impact a recruté au Super Draft, c'est ça. Donc, ce sont des joueurs qui ne sont pas dans les catégories qu'on vient de mentionner et qu'on va repêcher au Super Draft. Et certains d'entre eux, s'ils arrivent à faire carrière professionnelle, ils vont y parvenir. Sinon, ils ont leur bourse, ils ont d'autres champs, d'autres domaines pour faire carrière si ça ne fonctionne pas comme pro là, en MLS. Ça permet d'ailleurs au Super Draft, ça permet une certaine souplesse parce qu'en Europe, la façon que le foot est développé, si tu arrives à 23 ans, tu n'es pas un professionnel aussi bien changé de carrière. Dans le cas des États-Unis, on laisse une petite marge de manœuvre parce que les études finissent souvent à cet âge-là. On ne va pas perdre ses joueurs, Mais c'est ça. Oui. Non, mais c'est qu'on veut donner, on veut maximiser. C'est comme ça. Le Super Draft, c'est une façon de dire on ne veut pas oublier des joueurs derrière, mais qui ont un potentiel de percer. Et il y a des joueurs qui sont des internationaux là-dedans, mais qui n'entrent pas dans cette catégorie étiquette internationale parce qu'ils étudient aux États-Unis. Mm-hmm. Ils ont donc des... ils ont signé un contrat MLS, pas de club, Génération Adidas, par exemple, qui leur permet d'avoir une bourse pour leurs études, et qui sont considérés déjà, même avant même d'entrer à l'université pour certains, des jeunes potentiels pour le Super Draft, et qui peuvent être donc repêchés. Shamit Shaume, un jeune Canadien, est rentré dans cette catégorie-là au Canada, donc l'Impact, c'est comme ça qu'il l'a recruté. C'est un jeune Canadien, alors il ne rentre pas, malgré ses origines, dans la catégorie internationale étrangère. Il fait partie donc du circuit, on peut dire, du circuit local. Ça permet aussi donc à des jeunes espoirs de trouver une possibilité de faire carrière professionnelle, même si on dit souvent qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que va venir un jour où les académies vont être développées partout, probablement que les jeunes, s'ils veulent faire carrière au foot et qu'ils ont moins dans le potentiel, ils vont se ramasser dans une académie dès l'âge de 12, 13, 14 ans. Il ne restera plus grand-chose là, pour les jeunes à l'université qui voudront faire carrière. Puis probablement qu'on va délaisser éventuellement le Super Draft et ça va être des joueurs qu'on va peut-être signer plus comme agent libre à ce moment-là pour dire on va t'intégrer dans l'équipe réserve, dans ta académie, puis tu vas continuer ton développement parce qu'on a vu ton potentiel. Mm-hmm. Mais en attendant, c'est parce qu'on veut laisser personne derrière. C'est pour ça que ça va peut-être être appelé à changer là, dans le futur. Justement, le Super Draft, c'est que les équipes qui ont le premier choix, le deuxième choix, le troisième, pourquoi ils ont pourquoi on classe les équipes selon une échelle? C'est le même concept que dans les ligues nord-américaines, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de promotion-relégation, ben l'équipe qui a la moins bonne fiche à la fin de la saison a le droit au premier choix. Mais, comme je l'ai dit, tout est monnayable. Elle peut l'avoir monnayé à une autre équipe qui voudrait avoir un premier choix. Exactement. Pour d'autres joueurs. Donc, c'est l'Impact, par exemple, a décidé tout simplement de monnayer ces deux premiers choix pour de l'argent, on va peut-être en parler plus tard, pour des montants d'allocation. Mm-hmm. Parce qu'ils se sont dit, nous, dans notre académie, c'est ce que Rémi Garde a dit, dans notre académie, on a des joueurs qui sont plus talentueux que les candidats éligibles. Ouais, c'est ce qu'ils se sont dit. Ça se peut très bien. Alors, on monnaye ces choix-là pour autre chose qui peut aider l'équipe. Donc l'argent que tu perçois, tu peux l'utiliser pour recruter d'autres joueurs. Les montants d'allocation sont faits pour ça d'ailleurs, parce qu'on va peut-être parler du cap salarial. Justement, le prochain sujet, ça va être le plafond salarial. Oui, ça, parce que ça fait beaucoup de débats hein, en Europe, puis j'ai hâte de pouvoir répondre à cette question-là aussi. Plafond salarial, pourquoi? Peux-tu expliquer? Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens en Europe, et probablement ceux qui suivent le foot européen en Afrique, etc., qui se demandent, mais pourquoi aux États-Unis, qui sont supposément le pays du libéralisme économique, la capitale du capitalisme, etc., etc. Pourquoi ils ont un cap salarial comme dans d'autres sports nord-américains? Je l'avais précisé tantôt, c'est qu'on ne veut pas que l'argent soit un facteur déterminant dans les succès d'une équipe. Donc, c'est une façon de contrôler, les dépenses. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des règles pour que ces dépenses-là, on puisse payer les joueurs et bien les traiter. Les montants d'allocation, ça rentre dans cette catégorie-là. On a le montant d'allocation générale qui sert à faire baisser le salaire par rapport au cap salarial. Mettons que tu engages un joueur, tu le payes 300 000, mais tu prends dans ta réserve de montant d'allocation générale 200 000 sur le plafond salarial, sur ton cap salarial, le joueur va compter pour 100 000 de salaire sur le 300 000. C'est un exemple que je donne. Il y a le montant d'allocation ciblé, ça c'est pour des joueurs un peu plus chers. Si tu recrutes un joueur qui rentre dans une catégorie salariale qui est proche du joueur désigné, mais ça on en parlera plus tard, mais qui ne compte pas comme un joueur désigné comme tel, là le montant d'allocation ciblé fait baisser aussi son salaire. Et on s'en sert également de ce montant-là pour payer des montants de transfert plus onéreux, sans que ça rentre trop dans ta... sans que ça vienne affecter ton budget. Mm-hmm. Ça fait partie de l'argent partagé entre les clubs de la MLS d'ailleurs. Mais c'est des montants que tu peux monnayer aussi à travers ça.
Mais pour revenir donc au cap salarial, le principe pourquoi il y en a un, c'est que ça permet de contrôler les dépenses des équipes globalement. Exactement. Et ça permet aussi d'investir dans les joueurs locaux qui vont côtoyer des joueurs internationaux de différents pays et qui sont d'un certain niveau pour rehausser la qualité. C'est ce qu'on cherche à faire au niveau de la MLS. On veut être pas juste une ligue de performance, mais on veut être aussi un peu une ligue de développement professionnel pour le foot en Amérique du Nord. C'est ce qu'on cherche à faire. Et c'est pas forcément en dépensant des fortunes qu'on va y arriver, parce qu'on veut s'assurer que pour que les clubs soient en bonne santé financière, on veut pas charger des prix des billets comme ils s'en chargent à Arsenal ou à Liverpool, où vous avez vu les prix des billets, par exemple. Donc, c'est ce principe-là. Il faut tenir compte que les droits télé ne sont pas les mêmes non plus, donc ce n'est pas les mêmes montants. Donc, alors, forcément, il y a moins d'argent dans la tarte, si on veut, pour tout le monde. Alors, on essaie de le partager d'une façon équitable. Ça permet une parité, ça permet à ce que des équipes MLS, même celles qui sont riches, oui, elles ont la règle du joueur désigné pour dépenser plus, mais ce qui va faire que cette équipe-là va fonctionner, c'est le recrutement autour et qui rentre à l'intérieur de ton cadre du cap salarial et de ton argent d'allocation, qui va faire que tu vas être une meilleure équipe. On parlait de Toronto tout à l'heure, mais il y a beaucoup de joueurs autour de leurs joueurs désignés qui, selon moi, expliquent que cette équipe-là a gagné. Parce que les trois joueurs désignés, au contraire, leurs statistiques ont baissé. Mais tout ce qu'il y a autour, eux, avaient beaucoup de qualité. Mm-hmm. Il y avait des joueurs là-dedans. Il y en avait beaucoup qui venaient d'Amérique du Nord, des pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, etc. Donc, il y avait des internationaux d'un peu partout. Mais beaucoup qui venaient d'un circuit qu'on connaît moins en Europe, mais qui ne sont pas des vilains joueurs. Certains vont même être à la Coupe du Monde, je tiens à le dire. Ouais. C'est donc une des raisons. Ce qu'on veut développer comme mentalité, c'est que bâtis ton club, mais investis sagement pour le faire. Donc, c'est d'avoir du flair et de savoir comment investir. Et ça force aussi l'investissement dans les infrastructures un peu plus, de mettre l'argent là, de mettre de l'argent dans l'académie. Ça laisse une certaine souplesse à ces équipes-là pour se développer adéquatement et d'avoir des fondations plus solides avant de penser, même s'il y en a que des propriétaires qui ont des poches pleines, avant de penser à dépenser comme le Qatar fait avec le PSG, par exemple. Ben justement, c'est pour ça qu'on peut pas, le MLS ici, les équipes ne peuvent pas aller chercher des joueurs de 15 millions ou 20 millions. Oui. Mais de toute façon, même si on le permettait, ça aurait été étonnant qu'on aurait pu compétitionner avec les grandes puissances européennes que sont le PSG, que sont le Bayern Munich, que sont le Real Madrid, que sont le FC Barcelone, ces grosses équipes-là, parce que de toute façon, l'Europe a un pouvoir attractif pour les meilleurs du monde, on le sait. Certains vont peut-être venir en MLS pour des raisons, comme on dirait, de ça, de fin de carrière encore, même si ça va être de moins en moins fréquent. Mais je pense que la MLS se développe plus à développer des joueurs qui font partie d'un projet de construction. Et il y a donc beaucoup de ces joueurs-là qui ont la possibilité de jouer sur des terrains de qualité, qui vont quand même être assez bien payés, assez bien traités. Plus que peut-être, si on parlait de l'Afrique, que s'ils continuent à jouer en Afrique, ouais, ou en Asie, ou dans des clubs en Chine, où c'est plus des casinos qu'un championnat. La MLS permet de développer cette opportunité-là. Et éventuellement, on espère, je pense, plus être un concurrent par rapport au Mexique, qui développe, qui a beaucoup d'argent et qui dépense beaucoup, mais avec les inégalités économiques dans le pays, on se dit, est-ce que ça va tenir, ce modèle? Alors, les États-Unis, eux, se disent, on avance petit à petit, mais on avance. Les droits télé ont fini par augmenter, on va commencer à se vendre un peu plus à travers le monde. Ça a commencé depuis 2 ans, on commence à vendre des droits télé. Et on veut augmenter leur valeur, mais pour ça, on veut rendre le spectacle attractif et on veut rendre les matchs attrayants. Mais pour ça, il faut une certaine parité, il faut qu'on... pas qu'on ait l'impression qu'une équipe soit surdomine à ce point un autre adversaire, même si effectivement il y a certaines équipes qu'on le sait, ils ont plus de moyens financiers. Mais en même temps, quand on regarde ça, c'est qu'à travers cette puissance de moyens financiers-là, on pense quand même aux joueurs selon les paramètres MLS dont on parle. Et c'est là-dessus, je pense, que ces équipes-là aussi se démarquent. C'est qu'elles sont capables de trouver des joueurs, de gérer leur argent d'allocation, de gérer les besoins à l'intérieur du cap salarial, de se trouver des bons joueurs pour mettre autour de leurs superstars locaux, qui sont eux des joueurs désignés. Mais il y a quand même des bons joueurs qui viennent jouer à MLS. Il y a des joueurs argentins qui viennent, il y en a beaucoup. Ignacio Piazza à Montréal est devenu une star d'une certaine manière à Montréal. Même s'il est une star en Argentine, ben lui, il se dit, je suis une star à Montréal, mais j'ai pas toutes les foules, c'est pas la même chose. Il y a comme une fraternité différente. Alors lui, dans son esprit, il a la paix, puis il joue dans de bonnes conditions aussi. C'est un exemple. Miguel Almirón a accepté de quitter de jouer en Amérique du Sud, qui est un international paraguayen, qui est d'aller jouer à Atlanta. Donc, c'est pas des vilains noms qu'on a là, mais ça rentre dans les moyens de la MLS, mais ça reste des joueurs attractifs. Justement, en parlant de ces joueurs, on sait que chaque équipe a le droit à 3 joueurs désignés. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une autre appellation de joueurs désignés
pour mieux faire comprendre c'est quoi un joueur désigné? Ben, en fait, c'est que l'autre appellation qu'on a désignée à l'époque, c'était ce qu'on appelait la loi Beckham. Vous savez qu'on a beaucoup parlé en Europe de la fameuse loi dans les années 90, là. J'ai un petit blanc de mémoire sur le nom, mais il y avait une loi qui, à une certaine époque, on limitait les clubs d'Europe à 3 joueurs qui ne venaient pas d'un autre pays, donc 3 joueurs, on va dire, internationaux pour le recrutement. Ouais. Et des fois, les équipes manipulaient, comme dit Stefano avec le Real Madrid, qui s'est fait donner la citoyenneté espagnole pour libérer une place internationale. On parle de l'époque lointaine. Mais c'est ça, c'est l'arrêt Bosman. Voilà, Bosman, Bosman. Donc, pour libéraliser le champ un peu plus du recrutement, alors la MLS a fait un peu la même chose. Pour élargir un peu le recrutement et permettre à des équipes d'avoir une fenêtre de dépenses un peu plus large, on a créé la règle du joueur désigné, mais on a appelé ça à Beckham quand David Beckham a manifesté un intérêt de venir jouer en MLS. Et connaissant la publicité que ça allait donner, on ne pouvait pas dire non. On a donc créé cette règle-là pour que le Galaxy de Los Angeles, qui avait quand même beaucoup d'argent, puisse dire on va faire venir Beckham et son salaire ne comptera pas entièrement dans le cap salarial. Ça va être seulement une petite portion. Et c'est comme ça que la règle a été créée. Et pour éviter qu'il y ait des surdépenses, on a limité à 3 joueurs. Il y en a peut-être un quatrième, mais là, on parle d'un jeune. Montréal avait tenté le coup avec Lucas Antivero, notamment. Ça permettait de verser un salaire et d'avoir un joueur désigné, mais plus jeune. Il y a un poste comme ça. Mais chaque équipe est limitée pour l'instant à 3 joueurs désignés. Il y a des rumeurs qu'on aimerait que ça augmente à 4. Est-ce que la MLS va sauter le pas? Je pense qu'on va entendre un peu qu'il y a de la santé financière un peu partout avant de dire « OK, on a assez d'argent, vous pouvez passer à 4 » parce que maintenant, je pense que vous avez tous, après certaines années, commencé à développer un revenu parce que le développement des franchises, je le disais tantôt, on dépense beaucoup d'argent pour rentrer, mais on veut que dans 5-10 ans, là, on commence à avoir un revenu qui vienne, les revenus au guichet qui rentrent, la vente de t-shirts, tout ce qu'il y a autour et que les droits télé rapportent à tout le monde. Alors, on attend que, je pense, là, le bon moment pour peut-être augmenter le nombre de joueurs désignés pour qu'on se dise « OK, cette dépense supplémentaire ne va pas affecter l'économie des clubs en présence parce qu'on ne veut pas… » Depuis la première expansion, on avait perdu 2 équipes et le Chivas USA en 2014. Mm-hmm. On ne veut pas perdre forcément des équipes. On veut s'assurer que la meilleure raison de la stabilité, c'est que les équipes restent et qu'il y ait une bonne santé financière. Et on veut que les stades soient pleins partout. C'est pour ça que les dossiers sont étudiés minutieusement mm-hmm. maintenant par la MLS, la Ligue MLS, pour justement, il y a des équipes, il y a l'équipe de Beckham, Miami, qui a été acceptée en fin de compte. Elle va être dans la Ligue MLS en 2019. Mais il y a 3 autres équipes qui attendent leur tour, bien sûr. Ouais. C'est sûr que la Ligue MLS va étudier en… Et l'arrivée de nouvelles équipes, ça veut dire déjà automatiquement plus de joueurs internationaux, au même titre que je disais les joueurs internationaux, mais qui sont dans les académies et qui ont la binationalité dans certains cas. Ça fait partie du lot. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs étiquetés internationaux d'une certaine manière dans le circuit de la MLS, beaucoup plus qu'on pense. Il y en a beaucoup qui jouent même pour des nations autres que les États-Unis, par exemple, aussi. Même s'ils ne seront pas considérés comme des internationaux sur papier, selon les règles de la MLS, à cause de la souplesse du règlement. Les joueurs désignés, c'est des joueurs dont on sert surtout comme vitrine à l'étranger, bien évidemment. Didier Drogba à une certaine époque. Il y a eu Robbie Keane avec le Galaxy. On a parlé de Beckham tantôt. Ils ont tenté lui avec Steven Gerrard. Il y a eu aussi Ashley Cole. Avec New York City FC, on a eu Frank Lampard et puis Andrea Pirlo, notamment, et David Villa, bien entendu. Qui joue toujours, oui. Et qui joue toujours. Il y a des joueurs qui ont réussi ce passage-là, d'autres moins, parce que la MLS devient plus rapide, plus physique. Par exemple, Steven Gerrard, ça a été très difficile pour lui de jouer là-bas. Et ça a été compliqué aussi, même pour… lui, il n'a pas duré longtemps, un certain Nigel De Jong, pour ne pas le nommer. Andrea Pirlo, ça a été effectivement compliqué avec New York City FC. C'est pas lui qui a fait vraiment la différence ou les succès de cette équipe-là, pas autant que David Villa, par exemple. Lampard, ça a été difficile au début, mais ça s'est bien terminé. Drogba, ça a bien commencé aussi. Il s'en est quand même assez bien tiré. À Toronto, évidemment, tout le monde parle de Giovinco, qui, parce qu'il était trop petit, on l'a mis de côté à la Juventus. Dans la MLS, il pouvait s'exprimer, mais on le payait cher quand même à cause de son statut ou de sa valeur sur le marché. Mais c'est quand même pas la même valeur que Paul Pogba, évidemment. Il y a une différence entre 7 millions et 125 millions. Mais pour la MLS, c'est beaucoup d'argent, 7 millions, au moment où on se parle. Et Giovinco devient donc une vedette à travers qui on peut créer une vitrine, même s'il y a un mépris par rapport à ce joueur-là. On sait que Giovinco a été fâché de ne pas avoir été sélectionné à l'époque à l'Euro par Antonio Conte avec l'Italie, alors que selon moi, il aurait certainement aidé cette équipe
peu importe s'il était petit ou non. Justement, en parlant de ces joueurs, on arrive à ma question, à ma prochaine question qui parle de ça justement. Les joueurs avant, c'était les joueurs de fin de carrière qui venaient au niveau de la MLS, comme Girard, comme Beckham, comme d'autres joueurs aussi. Mm-hmm. Mais maintenant, on remarque qu'il y a de plus en plus de joueurs jeunes, 25, 23, 24, des joueurs jeunes qui arrivent, qui s'engagent avec les équipes dans la MLS, comme Giovinco, comme l'Impact de Montréal, Safir Taider, l'international algérien. Il y a Vargas aussi, le Chilien. Donc, c'est quoi qui a changé? Là, on remarque que la Ligue, elle est en expansion, vraiment en progression, beaucoup. Mais avec le nombre de joueurs de foot qui sont disponibles, on trouve toujours, selon moi, des joueurs qui correspondent à des profils que des équipes comme la MLS vont rechercher, bien évidemment, à cause du style de la MLS. Mais aussi, à travers ce rajeunissement-là, c'est que les équipes ne veulent plus dépenser des fortunes pour des joueurs pour du court terme à 2-3 ans. On s'aperçoit qu'on peut vendre la Ligue à partir, oui, de gros noms, mais aussi à partir de noms qu'on connaît un peu moins, mais qui font partie d'un projet précis dans le club. David Akam, international africain du Ghana, c'est un joueur désigné. Là, il est rendu à Philadelphie, mais quand Chicago l'a recruté, on ne l'a pas payé une méga fortune au même titre qu'un Drogba. C'est certain, il n'avait pas le même salaire, mais on l'a considéré comme un joueur désigné parce que dans son profil, il avait 24 ans à l'époque, probablement. C'est un jeune et on s'est dit, on peut construire avec lui et sa vitesse va nous aider. Alors, c'est comme ça que c'était vu. Il y a des joueurs, comme je le disais, qui étaient proches de l'entrée joueur désigné, mais qu'on a recruté, puis qu'avec l'argent d'allocation ciblée, on a pu les avoir dans l'équipe sans qu'ils aient cette étiquette-là. On pense à Laurent Simon, entre autres, ce genre de joueurs-là. Il y a plusieurs manœuvres pour faire venir des joueurs qui ont une certaine qualité, mais qui correspondent, on s'en aperçoit, là, au profil MLS, qui est un mélange de jeu physique et de rapidité. Il y a beaucoup de prises de risque. C'est donc des joueurs qui peuvent être de différents niveaux ou peuvent se côtoyer des joueurs qui réussissent très bien en deuxième, troisième division. Puis des joueurs de première division, mais qui sont peut-être au niveau là, des profils qu'on a peut-être moins bien considérés, mais qu'à MLS, ils peuvent être des titulaires indiscutables. Alors, il y a des joueurs qui maintenant se disent « Mais la MLS, c'est une ligue sérieuse parce que j'ai une chance de jouer là régulièrement et mon savoir-faire peut-être ressort plus là que si j'étais sur le banc d'une équipe en Europe très connue, mais où je ne joue pas, où peut-être mon savoir-faire ne peut pas s'exprimer autant. » C'est peut-être dans cette optique-là aussi que Safir Taider, même si en tant que joueur désigné, il est très bien payé, il a accepté de venir ici. Lui devait se dire, quand Rémi Garde est venu le voir, à Bologne, j'étais un joueur important, mais à Montréal, je vais être un joueur encore plus important parce que je deviens, en tant que joueur désigné, je deviens, et en plus à mon âge, comme une sorte de fer de lance pour l'équipe. Alors, il y a un projet en plus global où est-ce que je me dis, je vais participer à fond et je vais être bien payé pour le faire. Les conditions sont excellentes. Il y a le milieu, évidemment, il l'a dit, Montréalais, alors il serait fou de ne pas y aller. Alors il serait fou de ne pas y aller. Surtout que Montréal, dans la MLS, n'aura pas le même statut que Bologne en Italie, qui probablement les chances vont de nul à zéro de gagner le titre en Serie A. Alors vous voyez un peu, et en plus comme Blérim Djemali revenait, lui qui, pour des raisons familiales, voulait retourner en Italie avec sa question de la séparation, mais Taider lui a dû se dire, je vais peut-être perdre du temps de jeu comme milieu relayeur. Alors forcément, l'impact, la direction, Joey, tout ça, on su probablement le convaincre. Puis de voir son attitude d'ailleurs au camp d'entraînement, mais on voit qu'il prend au sérieux ce projet-là. Je pense que Rémi Garde a joué beaucoup. Et qu'il a les moyens de prendre ça sur les épaules. Alors, vous voyez que c'est pas juste la considération de dire ben est-ce que mon poste comme international algérien va être remis en question? C'est faux parce que Laurent Simon continue d'être appelé en Belgique, par exemple. Il y a des joueurs qui continuent d'être appelés. Je pense pas que Taider soit mal considéré au plan international juste parce qu'il s'en vient en Amérique du Nord. Non, c'est que lui, il accepte le projet pour ce qu'il est. Et on recrute les joueurs en Afrique comme ailleurs dans cette optique-là. Alors là, ces joueurs se sentent impliqués dans quelque chose et ils sont quand même relativement assez bien payés pour le faire. Les joueurs africains vont vous le dire, ceux qui viennent ici, ben, on a un confort, on a même une après-carrière dans certains cas. Justement, en parlant de joueurs africains, ben, si on remarque maintenant, si on regarde les équipes qui jouent en Ligue MLS, on remarque maintenant qu'il y a 4 ou 5, en moyenne, il y a 4 ou 5 internationaux, soit des Africains, soit de l'Amérique centrale, soit de l'Amérique latine aussi. Il y a même des joueurs européens comme Laurent Simon qui joue à Los Angeles FC. Il y a deux joueurs égyptiens internationaux qui viennent d'arriver aussi. Il y a un qui joue à Orlando et l'autre, il joue avec New York City FC. Si on regarde la nouvelle équipe de cette année, Los Angeles FC, il y a deux joueurs internationaux des USA, il y a deux
joueurs canadiens internationaux, il y a un Iranien aussi international, il y a un Belge, Laurent Siman, Égyptien, comme j'ai dit. Il y a Omar Gaber, entre autres. Il y a Omar, oui, Omar Gaber, exactement. Il y a un Mexicain aussi, l'équipe nationale du Mexique. Il y a les Frères Dos Santos avec Los Angeles Galaxy. International. Plus le nouveau venu avec l'AFC. Exactement. Ça, c'est une grosse pointure. Et un de la sélection du Honduras. Donc, c'est ça. C'est, on remarque qu'il y a partout, même si on regarde avec l'équipe de la MLS de Montréal, l'Impact de Montréal, il y a beaucoup d'internationaux aussi qui jouent. Effectivement, la MLS a peut-être son propre pouvoir d'attraction et je ne pense pas que ça nuise au poste au niveau international pour la plupart de ces joueurs-là. Quand on fait une recherche, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense et qu'il y a énormément de pays représentés à travers l'histoire comme c'est inimaginable. Je n'ai pas fait le décompte, mais il y en a quand même plus d'une centaine de pays là, qui sont représentés dans la MLS. Et il y a, à travers ça, il y a quand même des noms assez connus. C'est peut-être pas des joueurs d'impact. Excusez-moi le jeu de mots, ce ne sont pas des joueurs d'impact là, qui ont le même rôle que les internationaux comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, c'est certain. Et comme j'ai dit, la MLS ne cherche pas à concurrencer l'Europe là-dessus, mais ce sont des joueurs qui ont leur rôle à jouer, parce que le soccer reste un sport collectif. Exactement. Donc ces joueurs-là continuent d'être appelés, selon moi, régulièrement. Et en plus, je pense que, comme beaucoup de ces joueurs-là font partie des équipes de la zone CONCACAF, ben on veut développer, on veut rehausser le niveau de cette compétition-là. On sait, par exemple, qu'en 2016, la Copa América Centenario, elle n'a pas eu en Amérique du Sud. Elle a eu aux États-Unis. Les États-Unis ont été invités, comme le Mexique était régulièrement invité, à participer. On a donc élargi la compétition pour le 100e anniversaire et ça a été une réussite qu'on pense continuer d'élargir et de faire, au lieu de faire une Gold Cup, pour l'Amérique du Nord et une Copa América juste Amérique du Sud, on pense prendre la notion de Copa América et de donner vraiment ça à tous les Amériques, de façon à ce que les clubs d'Amérique du Nord se côtoient avec les meilleurs des pays d'Amérique du Sud, que ce soit l'Argentine, le Brésil et tout ça, pour rehausser le niveau aussi. Parce qu'on sait qu'avec la MLS, des joueurs qui jouent régulièrement, on se dit, si on continue le développement, on va viser de développer par rapport à nos rivaux, si on veut, pour les rendre meilleurs. Donc, à cet égard-là, je trouve que c'est une bonne idée, même si on va nous dire que les États-Unis ont échoué à se qualifier à la Coupe du Monde. Oui, mais moi, je peux vous dire, mais l'Italie a échoué aussi en Europe. Exactement. Donc, on ne peut pas justifier que c'est de la faute de la MLS, l'échec des États-Unis. Moi, je pense juste qu'ils sont arrivés dans la compétition croyant, ils ont peut-être eu, je pense, la mauvaise attitude, c'est peut-être plus une erreur de parcours, mais c'est mon opinion. Ils ont fini par se faire prendre par rapport au Panama, mais à l'inverse, il y a des joueurs panaméens qui jouent dans la MLS. Et c'est d'ailleurs un joueur de la MLS qui a fait mal aux États-Unis. Donc, ça veut dire que la MLS a aussi ses avantages pour des joueurs des pays qui cherchent à se développer aussi. On a parlé du Costa Rica, qui sont quand même bien placés, mais ça peut être l'équivalent pour le Salvador. Ça peut être l'équivalent, comme on l'a dit, pour le Panama. Et les marchés locaux aussi, comme les États-Unis, c'est un pays d'immigration, le Canada l'est aussi, on parle du côté multiculturel, bien forcément, on va avoir un attrait local. À Columbus, on aime avoir des joueurs ghanéens parce qu'il y a une forte communauté ghanéenne en place, suite à des partenariats sur le développement de la technologie dans les universités. Donc, il y a un public. Alors, on va chercher des joueurs ghanéens souvent. Très souvent, même au Superdraft, on va en recruter un presque automatiquement. À Houston, bien, on aime les joueurs sud-américains parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent là. Donc, ouais. Même l'entraîneur vient de là. Donc, on n'est pas surpris de voir beaucoup de joueurs qui viennent du Honduras, du Salvador et qui sont des internationaux. C'est pas étonnant. Et il faut comprendre que oui, même s'ils jouent dans leur pays dans de bonnes conditions, bien là, la MLS, dans certains cas, vont se dire hey, j'ai un salaire un peu plus grand, les terrains sont quand même pas si mal, à part deux, trois exceptions. Les conditions sont plutôt bonnes. L'organisation donc, aussi, oui, il y a beaucoup. Les organisations du sérieux, je suis impliqué dans quelque chose. Je vais répéter la phrase que j'ai dit tantôt. Pourquoi ils refuseraient ce genre d'offre-là, même si eux ne sont pas des superstars, ça reste des bons joueurs. C'est des joueurs qu'on apprend à découvrir à travers un autre prisme que s'ils étaient restés là-bas et on les voit peut-être moins. Et là, quand on les affronte, c'est comme s'ils tombaient des nues en disant « Mais c'est qui ces joueurs-là qui sont meilleurs que nous? » Je donne l'exemple souvent quand le Canada affrontait à une certaine époque le Salvador et tout ça, puis on se faisait déclasser. Mais maintenant, à connaître les joueurs, là, ça va rendre peut-être les affrontements plus intéressants. Ça ne fera que rehausser le niveau et développer encore la culture foot de ce côté-ci du continent. Justement, qu'est-ce que tu en penses? C'est la dernière question. Qu'est-ce que tu en penses de la venue des Africains? Est-ce que ça va augmenter? Ça augmente à chaque année. L'année dernière, on avait 61 joueurs. Là, je peux vous dire qu'à l'heure où on se parle, on est rendu à 66. Si le compte est bon, 65-66, si je ne me trompe pas. Et la saison commence dans une semaine. Il va en avoir d'autres probablement. Donc, leur nombre est en augmentation.
La MLS qui développe maintenant des réseaux de recruteurs, ils ont des recruteurs en Afrique, en particulier beaucoup en Afrique de l'Ouest. Alors, on suit les compétitions là-bas et on se dit qu'il y a des joueurs africains qu'on peut aller chercher. Et il y a des joueurs qui vont être intéressés à venir ici, c'est certain, juste pour améliorer leur perspective d'avenir. Et on va les chercher même jeunes. Parfois même, on va commencer à regarder du côté des clubs formateurs, comme le Rainbow FC, par exemple, mm-hmm. en Afrique, ou bien, pourquoi pas, l'école Diambars au Sénégal, ce genre d'endroits. C'est clair que l'Afrique est un continent comme tant d'autres, évidemment. Je suis persuadé qu'à un moment donné, on va viser l'Asie aussi. On va regarder du côté des Japonais et de la Corée. Peut-être de la Chine, éventuellement, si ça se développe vraiment sérieusement. Mais on regarde du côté de l'Afrique parce qu'il y a des joueurs intéressants qu'on pense qui peuvent venir jouer de ce côté-ci, en Amérique du Nord, et qui ont des aptitudes de vitesse et de force physique pour venir ici. Le dernier qui a souhaité venir ici jouer, c'est le joueur tunisien, il joue avec l'Étoile du Sahel. Lui, c'est juste une suggestion. Il a dit la MLS. Il a dit la MLS, effectivement. Alors, c'est je viens d'oublier son nom, là, mais tout ça. Mais il joue avec l'Étoile du Sahel. Effectivement, c'est Mjolnir, je crois. Défenseur central. Et c'est un joueur qui a manifesté, parce qu'il jouait très peu avec l'Étoile du Sahel, un intérêt pour venir jouer à MLS. Et d'ailleurs, les joueurs qui viennent d'outre-mer à MLS, ils disent tous en entrevue, Sané, qui est arrivé avec Orlando, a affirmé ce que Diallo a dit à Montréal, et même Taider a affirmé. Cette ligue, ils ont tenu des propos positifs pour la MLS. Ils ont dit non, c'est une ligue en développement, il y a des projets, il y a quelque chose d'attrayant, le jeu et tout. Parce que la prise de risque fait que le jeu est attrayant pour beaucoup de public, parce qu'on aime l'attaque quand même de ce côté-ci de l'Amérique. Alors on aime voir des joueurs risqués, tenter de créer des choses. Alors ça fait partie des développements tactiques des équipes maintenant, dans la plupart des cas. Alors ces joueurs-là se disent « Ah non, mais on veut se coltiner, il y a des bonnes conditions, donc on est heureux d'être là, on est bien traité, alors pourquoi refuser? » Donc ces commentaires-là tranchent avec ce qu'on entend par rapport à ce que j'appellerais l'eurosnobisme, où on dit « Ah ben non, la MLS, c'est pas sérieux. » Un championnat canadien. Précisons que le championnat canadien, il va éventuellement en avoir un, parce que la Fédération canadienne a dit que ça existerait, pour continuer à développer les joueurs canadiens, ouais. Là, ça sera en marge de la MLS. La MLS, c'est un principe où c'est pas une question de pays, c'est le Canada et les États-Unis ensemble, comme ligue professionnelle, depuis que Toronto est rentré en 2007, et ensuite Vancouver et Montréal par la suite. Ben, espérons qu'il y aura d'autres joueurs aussi maghrébins, pourquoi pas. On sait que maintenant, il y a deux Égyptiens internationaux aussi qui jouent ici. Il y a un Irakien, il y a un Iranien, il y a un Algérien qui vient d'arriver. Il ouais. ne faut pas oublier qu'à Montréal, il y en a d'origine maghrébine, déjà, là, qui ont été éduqués à Montréal, puis qui sont dans les académies, puis il y en a qui ont du talent. Donc, je l'ai dit, il faut tenir compte de ces joueurs-là dans les académies, qui ont des origines comme ça. Baloui Tabla, c'en était un. Il a vécu à Montréal, mais lui est fier d'être ivoirien. C'est un exemple qu'il ne sera pas le seul, il va en avoir d'autres. Merci Mathieu, merci pour toutes ces informations, merci pour avoir éclairci bien sûr la MLS, c'est quoi la Ligue MLS. J'espère qu'on a parlé de tout, on a expliqué c'est quoi la MLS. Une heure, c'était pas assez. C'est ça. Donc c'est sûr que c'est difficile de connaître la Ligue MLS en une heure, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer bien sûr, mais... grosso modo, on a parlé un peu de la MLS. Ouais, c'est quoi? C'est les modalités aussi. Je me considère pas comme un grand vendeur, mais j'espère avoir été assez positif là, pour que les gens puissent être attirés, pas juste donc parce que Saphir Taider est à Montréal maintenant. Exactement. Merci Mathieu. Je remercie aussi le producteur de cette émission, Abdelkader Keshed, pour son intérêt, pour la communauté aussi maghrébine, algérienne particulière. Donc, je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec une autre personnalité sportive. Donc, bonne soirée et à la prochaine.